Le prochain épisode d'Origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour. Il y a quelques semaines, je me suis posé une question assez étrange. Notre système solaire est-il véritablement plat, comme dans les représentations que l'on en fait dans les documentaires? Ma première réflexion fut de penser que toutes ces représentations étaient en fait une simplification de la réalité. Mais après m'être documenté sur le sujet, je me suis rendu compte que, étrangement, notre système solaire est bel et bien plat. Explication après le générique. Alors vous le savez certainement déjà, mais je vais répéter les bases, histoire que tout le monde soit bien à niveau. Notre système solaire est composé de 8 planètes gravitant autour d'une étoile, notre Soleil. On a tout d'abord les planètes telluriques, avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Après Mars vient la ceinture d'astéroïdes, que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Viennent ensuite nos géantes gazeuses avec Jupiter et Saturne. Et ensuite on termine sur deux planètes de glace, Uranus et Neptune. Bien sûr, il va sans dire que notre système solaire compte bien plus de corps célestes comme Pluton, Charon ou Cérès pour ne citer qu'eux. Mais revenons à la question qui nous travaille l'esprit. Pourquoi toutes ces planètes se sont-elles retrouvées alignées sur un même axe à quelques degrés près? Et comme bien souvent, pour comprendre une situation présente, eh bien il faut remonter aux origines. Là, c'est le nom de la chaîne de la vidéo, ça c'est fait, abonnez-vous. Et quand on parle du système solaire, eh bien ça nous fait très vite voyager assez loin. Nous allons faire un bond de 4,6 milliards d'années dans le passé. À cette époque, notre Soleil n'existe pas encore. D'ailleurs, à la place de notre système solaire, il n'y a quasiment rien, hormis un nuage de gaz composé d'hydrogène et de poussière. Et c'est sous l'effet de l'effondrement d'une supernova dans le voisinage de ce qui allait devenir notre système solaire que les particules de ce nuage ont commencé à se rassembler pour former un objet de plus en plus massif et par conséquent dont l'attraction était de plus en plus forte. Toutes ces collisions entre les particules font alors diminuer leur propre énergie. Le nuage de poussière et de gaz va alors avoir tendance à s'aplatir tout en gravitant autour de ce corps céleste qui se forme en son centre. C'est après plusieurs milliards d'années de compression que les gaz de ce corps se sont suffisamment échauffés pour donner naissance à une étoile, notre Soleil. Mais tous les gaz du nuage initial ne se sont pas concentrés pour former notre Soleil, il en reste une grande partie qui gravite maintenant autour de notre étoile. Et comme je vous le disais, les collisions entre les particules de ce nuage lui ont fait perdre de l'énergie. Et ce qui était initialement un volumineux nuage de poussière et de gaz est maintenant un simple disque gravitant autour de notre Soleil. Ce disque porte le nom de disque protoplanétaire et au sein de celui-ci va alors avoir lieu un phénomène d'accrétion. Au fil du temps, les poussières vont alors se rassembler pour former des corps de quelques 5 km de diamètre. Ce sont là les prémices de nos planètes, on les appelle les planétésimaux. Ajoutez à cela quelques millions d'années de collision entre ces corps célestes et voilà, nous avons les planètes de notre système solaire. Mais évidemment, il faudra encore quelques petits milliards d'années avant que nos systèmes solaires ne prennent l'aspect qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, vous comprenez maintenant comment se sont créées les planètes de notre système solaire et pourquoi se sont mises à graviter tout autour de notre Soleil sur un même plan à quelques degrés près. J'espère vous avoir appris quelque chose ou tout du moins avoir réussi à apporter quelques précisions sur un sujet qui n'a pas souvent été abordé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Origine. N'oubliez pas les pouces bleus, portez-vous bien, salut !